Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper un petit peu de ma station qui vient, enfin pas qui vient juste d'être terminée, mais qui est terminée. J'ai dû attendre quand même un tout petit moment. Et j'ai pu placer tous mes miniers. Alors j'ai un petit peu galéré. En fait, j'ai remarqué qu'il fallait tout simplement jouer un petit peu là-dessus. Alors, parce qu'au début, effectivement, ils n'allaient pas racheter, et enfin, ils n'allaient pas miner. J'ai dû évidemment mettre de l'argent, ça, je me suis souvenu. Mais il fallait que je mette. Donc là, j'ai mis offre d'achat si jamais il y en a d'autres. Automatique, ça non, par contre. L'offre d'achat, je vais mettre au minimum, histoire d'éviter que les autres viennent m'en revendre. Pour les photopiles. L'offre de vente, c'est tout bon. Ici, je rachète au minimum et je rachète qu'un au pire. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, en tout cas, tous mes vaisseaux commencent à travailler dans une zone qui n'est pas non plus... Il n'y a pas énormément de ressources. Alors, j'ai mis juste une sonde ici. On peut voir que le méthane, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un petit peu. Et du minerai, il y en a... Mais après, je sais pas, c'est quoi? C'est 0,083 au kilomètre cube. Bon, il y en a un petit peu partout. J'ai pas encore fait le tour de la carte là, mais enfin, de la zone. Mais il y a des astéroïdes un petit peu partout, donc j'espère que ça va tenir quand même un petit moment. On verra bien. Maintenant que c'est parti, je vais attendre un petit peu. Je vais voir comment ça se passe par la suite. En attendant, je vais effectivement me faire quelques petites missions. Donc je vais éviter d'en faire ici, puisque ce sont les tels. Ouais, les tels a dit, tout à fait. Je vais peut-être retourner faire un petit tour par là-bas. Afin de voir. C'est vrai que j'aimerais bien vraiment monter un peu chez eux. Où est-ce que ça se trouvait déjà? Les ennemis, ils étaient où? Bah tiens, ici, ça pourrait être pas mal. Mais là, je vois, c'est surtout sur les terres. Ils se battent contre les terres, non? Non, du tout. Cette zone fait partie des hantes, ça c'est bien. Tiens, eux, ils foutent aussi une plateforme de défense. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais vu que... Ah bah tiens, est-ce que je vais avoir quelque chose d'utile ici? J'avais dit qu'il fallait que j'y aille quand même. Mais je n'ai toujours pas ce que je recherche. D'ailleurs, j'avais vu que les mineurs ont miné pas loin de ma zone. Mais il n'y a plus rien, je crois. Je cherche toujours cette quête là, enfin cette... C'était quoi? De la magnétite. Ça me paraît pas si simple que ça à récupérer. J'hésite quand même à prendre un vaisseau moi-même, à miner et puis à enfin récupérer ce que je recherche. Reste à voir. Ça, je pense que ça doit être des mines ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ah non, ça c'est à moi. Fractionneur gaz, d'accord. Est-ce qu'il compte en revendre chez moi? Je suis pas sûr. Enfin, bon, bref. Pour le moment, donc, je vais faire un tour. Mais c'était où, là, les hantes? Là, ils se fightaient, je ne sais plus où. C'était pas par ici? Exactement. Voilà, on va aller faire un petit tour là-bas. On va directement, en fait, se mettre ce point-là. On va pouvoir se battre et surtout augmenter un petit peu ma réputation avec ce groupe-là. J'oublie le nom. Antigone. Voilà, les Antigones. Je pense que ce sera la plus simple, en tout cas pour le moment, à monter, parce qu'ils se font quand même souvent attaquer en ce moment. Et là, ma réputation va monter en flèche, évidemment, si je ne meurs pas. Je vais faire une petite sauvegarde avant de commencer. Avant de débuter l'attaque. Et puis je vais voir par la suite un petit peu donc comment ça se passe pour ma nouvelle station. Pour le moment en tout cas ça a l'air de bien. Non, c'était pas ça, c'était ça que je voulais voir. Pas si bien que ça. Ouais, 2080 déjà, ça c'est pas mal. Consommation alors 4800 tout de même. Ici, là c'est bon, ils reviennent, c'est bon, c'est bon. Donc c'est en train de se faire tranquillement.
n'y a plus qu'à attendre et à voir comment ça se passe. Enfin, quoi, au bout de la deuxième station, je me dis quand même, hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le tour de l'autoroute là. Il va falloir que je m'y mette, hein, d'ailleurs. Parce que j'ai encore énormément de zones à explorer. Et j'hésite encore, il va vraiment falloir que je me prenne. Que je me prenne le reste des DLC là. Hein. J'ai fouillé aussi quelques stations encore, je n'ai toujours rien récupéré, donc ça, je me demande si je vais pas juste me faire du pognon et puis acheter en fait tout simplement les plans qu'il me faut, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment, vraiment très chiant. Bon, j'ai pas trop insisté, j'en ai fait deux ou trois, je crois, des stations. Ou alors, non, c'est vrai, il fallait une bombe IEM. Et pour ça, je crois qu'il me faut également de la magnétite, je crois, pour le fabriquer. Alors, vu la galère que c'est pour en récupérer, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même un moyen possible, en fait, que je puisse acheter ça quelque part, mais où exactement, je ne sais pas. Est-ce que la coque à 97%, tiens, tiens, ouais, c'est vrai qu'ils se font quand même sévèrement attaquer. Je vais vite me faire la petite sauvegarde maintenant. On va le mettre là. Et puis je vais me faire une petite session de combat. On verra comment ça va se passer. Là pour le moment je suis à plus 15 avec Antigone. Alors attention, ils sont juste un petit peu plus en haut. J'arrive droit dessus, ça doit être lui en rouge. Ah merde, faut pas que j'attaque la station là. Pas que je la touche. Déjà, faut que j'arrive à toucher celui-là. C'est bon. Il a lâché quelque chose. Conteneur. Ça peut être sympa. Là-bas, il y en a plusieurs. On va voir directement. Je sais même pas où je suis. Ah, ils sont quand même un petit peu plus loin. C'est le vaisseau là-bas qui se fait attaquer. On va aller le défendre. Ça devrait me faire aussi des points de réputation, ça. Là, attention, par contre, ce sont des xénons. Bon, ils sont pas très costauds. Ils font mal quand même, il me semble, avec leur laser, mais ça devrait jouer quand même. Ouais, ouais, j'arrive. Calme-toi, ton héros arrive. Ouais, ton héros. Ah merde, qu'est-ce qu'il attaque l'autre là? Ouais, l'autre vaisseau. Enfin, non, ils sont là-bas. Ils se dirigent directement sur une station. On va en profiter. Pour le moment, je n'ai pas eu de points. Se font sérieusement attaquer. Enfin, sérieusement, non, ça va encore.
On va défendre la station. Là, je devrais quand même avoir des points de réputation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour le moment, on n'a rien. Je vais utiliser un peu ce portail. Hein. Je crois que c'est pas forcément une bonne idée, mais on va quand même faire un tour juste pour que je découvre la zone. Et évidemment, il s'agit des Xénons. Merci de votre aide. Ah, combien est-ce qu'on a? 10 000. 10 000 crédits, mais on n'a pas eu un seul point supplémentaire, mais c'est pas grave. Je sais que ça monte. Il va falloir être un petit peu plus patient. Peut-être attendre aussi une grosse attaque et puis revenir après. Mais ils se font quand même sévèrement attaquer. Enfin, ils se font sévèrement mettre à l'envers pour le moment. Mais ça risque de changer la donne dans pas longtemps. Parce que je ne leur fournis pas encore de ressources à ceux-là. Non, je vais pas. On va voir comment ça se passe du mois dernier. Ici on est où? Ah bah non, on est encore en territoire Antigone, c'est bien ça. Oula, par contre il y a une chute de FPS ici. De quoi là-bas se font attaquer, on va les aider. Je pensais qu'on était en territoire Xénon, mais pas du tout finalement. Je vais déjà m'occuper du petit là. Ouh là là, mais c'est qu'ils se font sévèrement attaquer ici. Tiens, lui là, il est isolé. C'est bon, j'ai gagné un point. Ah ouais, ça marche bien. Par contre, je vais pas m'attaquer à tout le monde là, parce que franchement... Il lui reste rien du tout. J'arrive à rien. C'est bon. Il lui restait pas grand chose. Il en reste quand même, hein. Encore.
attente immédiate requise. Il en reste, oui, il en reste encore là. Une grosse attaque ici. Ça me paraît être un secteur plutôt intéressant. Assistance immédiate requise. Je peux me le permettre, en tout cas pour le moment. Mais c'est là que je vois qu'il va falloir quand même que je change d'arme. Allez, 3,2, je devrais bientôt pouvoir. Quand même là tout ce que je détruis. Allez 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 là, on est en guerre. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment que je change d'arme. J'ai assez de pognon, je vais voir en fait si je peux remplacer ça sur leur base. Au niveau des argons là, je pense que ce n'est même pas la peine parce qu'ils n'ont pas les ressources. 70 000. Même. J'ai dû aussi augmenter quand même pas mal ma réputation, je pense. Voilà, t'as fait l'erreur de vouloir me viser. Résultat, t'es tombé. Allez, on continue. En fait, ça s'arrête jamais ici. C'est quoi cette station? Une fabrique? C'est pas pour toi. Là. Je suis full bouclier. Je dois finir maintenant. Je vais le réparer après. Tant mieux, parce que je voulais changer d'arme. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Mais c'est vrai que le pied est quand même plus costaud. Du coup. Je suis quasiment terminé, on va voir si on peut choper. Lui, c'est bon, j'ai retrouvé tout mon bouclier. Il y a ma queue qui a été touchée, mais vraiment, c'était minime. Ok.
Est-ce que c'est terminé dans la zone? Est-ce qu'ils se font attaquer ceux-là? Non, ça a l'air d'aller. Ok, du coup. Maintenant que ça s'est fait, on va quand même pouvoir poser un satellite. On va voir également ce qu'on a ici dans le coin. Assistante immédiate requise. Qui, où? Là-bas? Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, faites-vous attaquer, honnêtement, je m'en fous un petit peu pour le moment. On va continuer de ce côté. On va voir un petit peu comment ça se passe par là-bas. Je vois également qu'il y a un portail là, légèrement sur la gauche. Assistante immédiate requise. Ça se fait aussi attaquer là-bas. Ok, ici c'est bon à savoir. Une vraie zone de combat. Station à vous. Plateforme de défense. On va poser un satellite entre les deux. C'est bon, 25 km. Un satellite. On va pouvoir commencer. On va se tenter. Bah, celui-là. Hein. Enfin, celui-là. Merde, si je me fais attaquer par deux, faut que je me casse quand même. Je pense, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Ouais, je me casse de là. Ok. On fuit. On fuit par. Alors je sais pas, on fuit. On va voir. Je pense que je suis assez loin. Le problème c'est qu'ils étaient deux. Ouais, c'est pas non plus impossible, mais bon. Allez, c'est pas grave, au moins je sais. Dans le coin, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il va falloir que je passe là-bas. On va voir si je peux m'équiper ce que je souhaite. Mais en fait, c'est celle part, c'est qu'ils m'ont suivi. Ok. Non, 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 me touchez pas. C'est short, hein. Ils m'en veulent, je crois. Mais je pense que c'est bon, je peux les fuir. J'espère qu'ils ne me suivent pas quand même à la trace. Ça a l'air d'aller, ouf! Bah, je vais faire plus attention quand même la prochaine fois. Ou alors sauvegarder un petit peu plus souvent également. Bah, l'assistant, ça sera pas pour moi pour le moment. Hein. Je suis désolé, mais. Là, je peux pas. J'ai clairement pas les armes qu'il faut. Ou bien, en fait, je pourrais mettre deux armes laser, je sais plus comment est-ce que ça s'appelait déjà. Je vais juste me mettre un satellite supplémentaire. Je ne serais pas surpris qu'ils ont bousillé quand même. Ça passe. Mais je pense qu'ils vont perdre le secteur si ça continue comme ça. Mais je pense que les Antigones, ils vont avoir besoin quand même de ressources pour recharger un petit peu, pour se refaire des bâtiments, enfin des bâtiments, des vaisseaux militaires. Et là, je vois qu'ils vont en avoir besoin. Il me faut absolument me faire des usines ici. Je pense que je vais me faire bonbon. Il y a quand même de fortes chances. D'ailleurs, je vais voir dans la zone où je vais aller, s'il y a toutes les ressources nécessaires. J'ai posé une sonde pour voir. Je vais voir juste après ce saut s'il y a du méthane, de l'hydrogène, du minerai et du silicium. S'il y a tout, franchement, là-bas c'est tout donné, c'est tout gratuit. Ce sera l'endroit de la prochaine station. Qui me coûtera une blinde, mais bon. On verra ce que je vais faire.
Je sais en tout cas qu'il y a. Juste pour voir quand même. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qu'il faut, on verra bien, mais. J'ai posé une sonde là entre les astéroïdes. Juste ici. Sonde de ressources. Minerais, silicium, glace. Ah, il n'y a pas de méthane par contre. Il y a tout sauf du méthane. Ça, c'est dommage. Du méthane, il y en a peut-être là-bas. Est-ce qu'il s'agit par contre de la zone où il y a les trucs nucléaires là? Où c'est une grosse galère. Par contre, ici, il devrait y en avoir quand même. Il faudrait que j'aille y faire un tour après. Comme ça, je le saurai. Mais c'est sûr qu'ici, ce serait quand même la bonne zone pour la revente directement, justement, sur ces stations. D'ailleurs, ils recherchent quoi exactement? Si je regarde. Non, je sais pas là. C'est ici. Pièces de coque. Pas grand chose en pièces de coque. Composants électroniques avancés. Composants d'armement. Ça va. Ils en recherchent quand même, mais pas énormément non plus. Ils ont besoin de ressources. Ben, on a vu mieux. Il me semble. Voilà, peut-être que 17 000. Ouais. Enfin, bon, bref. En tout cas, il y a de quoi faire. Voir deux trois choses aussi par là-bas. Le rachat de certaines pièces qui me sera peut-être utile. Et je pense que pour les terres. Bah, je vais peut-être faire un petit tour et puis essayer de récupérer des choses par là-bas, mais il me faut aussi absolument me prendre des bombes IOM. Absolument. Je pense qu'il n'y a que par cette manière que je pourrais récupérer des plans facilement. Mais juste bien être sûr s'il me faut vraiment de la magnétite, parce que si c'est le cas. Ça va être chou patate. Hein. Je vais juste me mettre également sonde ici. Mais non, ici il n'y a pas du tout de méthane. Hein. C'est vraiment que de l'hydrogène, d'accord. Donc s'il y a besoin de graphène. Ça va être dur. Ok, maintenant je vais me faire. Ah non, mais il faut juste que ça sauvegarde. Ça, exactement. On va déjà commencer par réparer. Il n'y a pas grand chose pour la réparation. Un missile intelligent léger, c'est vrai que ça, j'utilise jamais, mais je sais pas comment utiliser encore. Il faut juste que je voie, mais c'est vrai que ça pourrait être utile, mais bon. Pour le moment, je fais sans. Et c'était ici. Eh ben, eux ne les ont pas. Ils ne les ont pas, les gars. D'accord. Bon. Eh bien, dans ce cas, je dirais laisse tomber. Je
gagne juste en lacet, mais pas pour le reste. ...227, 133 en accélération. Vitesse de turbo. Honnêtement, je me demande si le polyvalent ne serait pas meilleur au final. Hein. Juste pour la vitesse de croisière, bon, ça accélère un petit peu plus, mais c'est pas énorme non plus. Et puis, je n'ai toujours pas vu. Je crois que c'était pas là, c'était peut-être ailleurs, attendez voir. Pour la couleur du vaisseau, enfin bon, bref, c'est pas le plus important. Hein. Tac, tac, tac. Est-ce que je récupère de l'argent là en fait? Demande la ah, j'en récupère, c'est bien. Ok, je me lève. Ah, par contre, lui il risque de partir. Juste pour être sûr. Ça va. Il fait pas trop le con. Je voulais aller voir, c'était... Bah non, c'est pas ici. Un gestionnaire peut-être. Je ne crois pas que ce soit lui. Pour les plans. Bonjour. C'est quoi ça? Système principal de la République. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Stream vidéo en direct. Ah, ça c'est pas mal, ok. On s'en fout. Bureau de sécurité ingénierie. Oh, c'est vraiment pas là. Je vais voir une station, je crois que c'était à côté. Ça devait être là-bas, je pense. Doc d'équipement. D'ailleurs, c'est là-bas, je pense qu'il va me falloir aller pour changer la couleur du vaisseau. Donc oui, IEM pour combinaison spatiale, c'est bien de la magnétite qu'il me faut. Et c'est ce qu'il me manque, malheureusement. Je peux me faire des bombes pour combinaison spatiale, mais bon, voilà. Pourquoi faire exactement? Je sais pas si ça libère ça, ce que je souhaite. Ah, c'est chiant quand même. C'est un système de décollage de sécurité, j'en ai deux. Je peux me fabriquer aussi un système de contournement de sécurité, je sais pas si. Je vais juste les fabriquer quand même, temps. Lieu de décryptage, blablabla, bah ok. Je vais en fabriquer un. Ça veut peut-être dire que j'en ai deux en fait, j'en avais déjà un. Ici, est-ce que j'avais autre chose à revendre? Pas vraiment, mais par contre, je vais en prendre un comme ça encore. Et une étoile de gestion, sait-on jamais autant en avoir de côté, franchement, pour le prix que ça coûte de toute façon. C'est donné. Ouais, puis allez, vas-y. Pourquoi ne pas en profiter? Ça fait un boucan pas possible, ces vaisseaux. Œuf de mouche de l'espace. Ça, franchement, j'en ai pas besoin. Moteur singularité. Bonne chance par là-bas. C'est bien. Ok. Allez, je vais faire un saut à côté. Par contre, il va falloir que je retourne chez les Argons là pour m'équiper en armes pour le vaisseau. Pas vraiment chaud. Hein. Il a un bon moral quand même celui-là. Oui, c'est vrai que depuis la mise à jour,
il faut rechanger à chaque fois, faut réappuyer Shift et espace. Parce que ça ne tient plus en compte maintenant, malheureusement. Après ça, je vais voir un petit peu comment ça s'est passé déjà pour la station. Ça n'a pas dû avancer grand chose, ça fait que 30 minutes, 35 minutes hein, des vidéos. Centre. Ça, non, même pas, j'ai touché. J'ai pas touché le lampadaire, tout va bien. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'améliorer? Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Ça n'a pas l'air non plus, en fait. Ils ont les mêmes armes. Logiciel. Consommable, équipage. Non, il n'y a rien. Réparer, réglage. Trajet en secteur, activité en secteur, restriction commerciale, ordre forcé d'ouvrir le feu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il me semblait avoir lu ça. Que ça se trouvait dans le dock d'équipement. Mais ça n'a pas franchement l'air. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais juste aller voir s'il y a la personne que je recherche. Oui, ça a l'air représentant. Voilà. Bon, toi. Les plans. Module. Module de production. Donc pour ça, il va falloir être level, enfin niveau 20. Alors, je peux pas me le permettre. Ok. Ça, il faut être niveau 20. Production électronique avancée. Donc ça, ça coûte vraiment très cher. Surtout celui-là, bobine de champ. Antimatière 13 millions. La loupette 20 millions. La loupette, je vais en avoir besoin. Plus intelligente. Niveau 20. Ça, ça ne coûte pas bien cher par contre. Ouais, ok. Et puis habitation, évidemment, ça vaut toujours une fortune. Pas de soucis. Bon, bah tant pis. Module, vaisseau. 121 millions pour Colosse, Nomade, Mammouth. 70 millions pour ce que je voudrais. Ouais. Ok. Bon, c'est vraiment chez les Argons qu'il va falloir que je récupère des plans pour les vaisseaux. Bon, c'est pas grave. Au moins, cette fois-ci, c'est sûr. Maintenant. Donc, je ne sais toujours pas comment changer la peinture. C'est pas grave. Mais je me demande quand même une chose. Alors déjà, j'aimerais voir également ici l'aperçu logique. On est toujours à 1 412 000. Ici, je vois que ça monte quand même. C'est très très bien. Enfin, ça monte. Enfin. Ici, pour le moment, il n'y en a pas assez. Donc, 253, ouais, c'est encore assez haut. Je vais attendre encore un petit peu. De toute façon, plus ça va monter, plus facilement il y aura des vaisseaux qui viendront pour acheter ce qu'il me faut. Ici, transaction automatique. On va laisser à 18. On va pas le revendre à 10 pour le moment, sinon ils vont tout rafler, les gars. Et je vais quand même en avoir besoin, parce que ça, ça utilise quand même 1200 à l'heure. Bon, ça va, hein. Ça a 2100 à l'heure.
Donc ça fait déjà 3300. 3300, ah bah 3600 à peu près. À l'heure, ici, ça m'en fait 10500 à l'heure. Allez, on va quand même revendre. Je devrais en avoir assez. Décollé, donc qu'est-ce que je vais devoir refaire? Ben oui, normalement, je vais devoir refaire Shift. Évidemment. Shift, barre d'espace. Ok. On va quand même se tenter. 37%, ils devraient quand même avoir ici. Ah non, ils n'ont pas d'habitation? C'est pas vrai. Ils n'ont pas d'habitation. Ok. Tant pour moi. Parce que j'ose. Avec un peu de chance. Je vais pouvoir récupérer un plan comme ça, qui me sert à rien pour le moment, mais. Sait-on jamais. Ah si, là-bas, il y a une habitation. Pas de signal. Alors ici, par contre, ça m'a touché, oui. Aucun signal pour le moment. D'accord. Donc c'est bon, ça me gave déjà. C'est pas un souci. Nous sommes ici, je vais pouvoir quand même... Bah tiens, je vais faire un petit saut chez eux. Pio. C'était Pio avant? Mais non, avant c'était des... Ah mais attends... Eh dis donc... Avant j'étais pas pote... Ah mais non, ça a toujours été comme ça je crois. Ok. On va aller voir s'il y a des missions, je vais les vérifier, enfin je contrôler... Explorer plutôt le secteur et voir si je vais pouvoir quand même améliorer ma réputation avec eux. Ça pourrait être assez sympathique. Vous entrez dans le système. Zegaris. Les pionniers, est-ce qu'ils s'appelaient comme ça avant? Je suis pas sûr. On va déjà commencer par cette station là-bas. Je vais juste mettre un point là. On va juste faire le tour ici. On va passer derrière ces astéroïdes. Et je vais aller poser directement un satellite par là-bas. Comme ça. Et on se dirige par là-bas. Station à vous. Déjà contrôler celui-là. Emballage de ration. C'est une station ou un vaisseau, ça, là-bas? Vaisseau à nous. Ok, un vaisseau. Station à nous. Ok, laboratoire de stimulants. Je suppose que ce sont des soins. Juste de même aspirer. C'est pas ce que je veux. Voilà, je reconnais pas les habitations des autres choses, hein. Pour ça, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Ils sont sympas ces vaisseaux là. J'aime bien.
Allez, on va directement là-bas. 187 km. Allez, il me reste quoi, 15 minutes. En 15 minutes, ouais, je pense que je vais finir là-dessus après. Juste poser un petit peu les choses à gauche, à droite, voir également s'il y a des missions que je pourrais faire dans le coin. Mais je pense que le plus pratique, c'est qu'ils soient installés à côté d'un secteur Xénon et que je puisse les protéger, enfin les défendre, pour récupérer quand même le nombre de réputations suffisant pour que je puisse évoluer un peu avec eux. Être allié avec eux et puis me mettre en guerre contre les terriens, pourquoi pas. Parce que tout le monde sait que les terriens, de toute façon, ils foutent la merde. Station à vous. Ils débarquent dans des endroits pour... Je vais pas en dire plus. Donc d'équipement, ok. Le pionnier Sagaris. Station à vous. Ça c'est bon, on va pouvoir... mettre un satellite pour les deux stations. Est-ce qu'il y en avait trois? Il y en avait bien trois. Et il y a des missions en plus. Combien de kilomètres? Ouais, ça me paraît tout à fait faisable. Je m'arrête à 25 et je vous... C'est quand même big là-bas la station. Assez sympa. Allez, 25 km, je pense que ça pourra couvrir les trois directement. Hein. Juste à savoir. Et tout à fait, c'est exactement ça, nickel. Je vais vite envoyer le signal. Bon, je vais plutôt aller là-bas d'abord. J'irai en bas par la suite, voir où ça nous mène. Et ça, c'est quoi? Je vais mettre également un petit. Une petite sonde là-dedans. On va voir de quoi il s'agit. Bon, là on a un peu de tout là quand même. Hein. Hélium, hydrogène, glace, méthane, invidium, minerai, silicium. Franchement, ils sont bien installés les gars. Peut-être aussi une bonne zone pour s'installer. Ça m'a l'air quand même bien garni cette station là. Un labo spatial. Ouais, quand même, hein. Quand même. On va placer un là déjà de satellite. Nous sommes ici. Donc là, on a encore une station par là. On va vite y aller. Bon, dès que j'aurai trouvé comment faire vraiment pour récupérer de la magnétite, franchement, je pense que je vais me fabriquer des bombes IOM alors à foison. Si je peux en récupérer à foison, bien entendu. Centrale solaire. Mais c'est bizarre, je devrais quand même en revendre, je sais pas, peut-être dans les stations pirates, quelque chose comme ça, je sais pas. Ça me paraît quand même assez compliqué. Évidemment, si on pouvait en acheter à l'appel, forcément, ça serait peut-être aussi un petit peu trop simple de récupérer tous les plans. Est-ce qu'il n'y aurait pas une surprise par là-bas? Non, il n'y a pas de station. Allez, on va prendre celle-là. C'est bien de par là que je me dirige. Nous sommes à 131 km. On va quand même commencer par celle-là. Station à vous.
Bah, ils ont aussi des trousses de médicaments, du coup. Chose peut-être sympa, mais là j'ai pas le temps. Moins de 10 minutes. Et puis j'aimerais bien faire un saut aussi par le portail là-bas, voir où ça nous mène. Non, apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de bagarres, donc je ne pense pas qu'il s'agit d'un secteur xénon. Ils en ont un foison là aussi. Hein. Il y a que des blessés dans le coin ou quoi. Allez, voilà l'autre là-bas, je pense. Alors, est-ce qu'on a autre chose sur l'intérieur? Ah, celle-là n'a pas été repérée. Donc, du coup, ça c'est bien une station, une station. Et deux objets inconnus par là-bas. On la voit pas. À quelle distance? Il ne l'a pas repéré. Bien lointaine. Hein. En tout cas, il fait bien nuit noire avec une station blanche pareille. Là, on voit bien. Alors, de quoi il s'agit? Plateforme de défense? Non, je ne pense pas. Et il s'agit de carbure de silicium, d'accord. Ah! C'est bien. On va s'en occuper. Je sais qu'ils sont trois. Oh là là. Alors attends, stop. Avant que je fasse une connerie, on va quand même. Ça serait dommage de tout recommencer. Une petite sauvegarde. Parce qu'ils sont quand même trois. Bon, lui, il a l'air de se débrouiller quand même. Quand même, ils ont fui. Non, ils sont juste là. On va détruire un chef de groupe. Parfait.
Donc on est bien au fond. Objet, objet, station, station. On va quand même se faire vite faire les stations. C'est que le temps passe vite en faisant ça. Hein. J'avais dit justement. Merci. Ah, plus 2. Oh là là, ça monte vite au début. C'est sûr. Faudrait que je regarde aussi s'il y a des quêtes assez intéressantes dans le coin, mais je pense que c'est le même type de quête que les autres. C'est vrai que je compare, j'aimerais bien quand même arriver au niveau 10 pour voir si je pourrais récupérer un vaisseau de guerre S qui pourrait être plus sympa. Alors l'autre je l'ai déjà en fait, ça c'est juste une centrale solaire toute bête. Où est l'autre? Notre station est juste là-bas. C'est bien ça, mais j'ai vu qu'il y en avait un deuxième. Centrale solaire. Et c'est quoi vos centrales solaires? Ah, c'est ça là, ok, sympa. C'est vrai que ça change un petit peu. Objet inconnu. Parce que là. Objet inconnu. Ça doit être un coffre ou je ne sais quoi. Ou peut-être un vaisseau. Qui sait. On va quand même au cas où. Je pense que je vais pouvoir me permettre d'y aller quand même à l'arrache. On y va comme un fou. Ça va être net derrière. Ah, c'est bien bleu. Ok, on est toujours dans le même type de secteur. Donc ça va, tout va bien. Comme d'habitude, ici, je vais poser directement un satellite. Pour avoir une petite vue sur le portail. Et ce qui s'y passe aux alentours. Moulin ici. À carbure de silicium. Moulin à carbure. Et puis je pense qu'on est tout bon, en tout cas pour aujourd'hui. Je pense que je vais continuer encore un petit peu en off. Et je vais continuer un petit peu à visiter tout ça. Alors je sais pas combien de temps. Pas forcément bien longtemps. Là il y a de quoi faire quand même. À ce secteur-là, je vais quand même le voir en entier, voir ce qu'il en est. Ah, mais oui, d'accord, le labo spatial, c'est ça, d'accord. Ok, ok. Tout s'explique. Ça, c'est un dock d'équipement, par contre, je n'ai pas vu. On verra, peut-être qu'ici, je vais pouvoir en trouver, on verra bien. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter ici. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et la prochaine fois, je vais voir un petit peu comment ça se passe avec ma station surtout. Je vois que ça a l'air quand même de pas mal fonctionner. J'espère qu'ils vont un peu évoluer également dans leur niveau de pilotage. Ce qui pourra peut-être les faire évoluer dans d'autres secteurs. Si j'ai 3 étoiles, on verra bien. Et peut-être augmenter un petit peu la production. Donc voilà, j'avais dit donc que je vous remerciais et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !